une présentation en ce qui concerne l'émergence et l'évolution de la société de l'île de Santiago, de l'archipel du Cap-Vert, de la fin du 15e jusqu'au milieu du 18e. Eh bien, je sais bien qu'on ne connaît, des personnes ne connaissent pas l'histoire du Cap-Vert, et je vais ici rappeler les grandes lignes évolutives de l'histoire de l'île de Santiago, le centre névralgique de l'archipel au début de l'histoire moderne. Et vous avez là la position de l'archipel par rapport au continent, depuis de diverses îles et tout spécialement de Santiago. Et je dois vous... Comme ça? Et ça, vous voyez? Vous voyez? Oui. Je veux seulement que vous voyez ce que dit là. Ciudad Vella, c'était l'ancienne capitale. C'est le mot actuel de cité, ville vieux, ville, qui s'appelait Ribera Grande. Et je vais parler de Ribera Grande. Eh bien, l'archipel a été découvert en 1460 avec maigres ressources naturelles qui seulement pourraient être accomplies par la concession de grands pays. Privilèges, des grands privilèges aux habitants qui s'aventuraient à résider ici. En 1466, la couronne accordait aux résidents l'exclusive commerciale de la côte africaine entre le fleuve Sénégal et la Sierra Leone. L'île de Santiago s'est affirmée comme dès le début comme plaque tournante commerciale entre l'Europe et l'Afrique, position qu'elle a consolidée aux premières décennies du XVIe siècle. Santiago est devenu le principal moteur de la traite négrière pour les archipels nord-atlantiques, pour les plus importants ports de la péninsule ibérique, Lisbonne et Séville, et plus tard pour les Andes espagnoles. De plus, cette île a bénéficié de sa position géostratégique dans l'Atlantique central, devenant échelle pour l'approvisionnement et réparation des vaisseaux dans ses trajets pour l'Inde, la côte africaine et le Brésil. La position avantageuse de Santiago dans les itinéraires atlantiques y fit venir des Portugais, mais aussi quelques Castiliens, Genois et Florentins, et ils s'y sont installés car ils devaient obtenir le statut juridique de résident pour accéder au commerce africain. Parmi ces habitants, on trouve quelques-uns d'origine noble, quoique la majeure partie d'entre eux était issue d'une strate nobiliaire très modeste, la plupart de l'ordre militaire du Christ. Ce poignet de petits aristocrates attirés par la richesse provenant de la traite n'oubliait jamais les modèles d'organisation et d'extension sociale portugaise, et il essayait de les adapter Ils essayaient de les adapter au nouveau contexte insulaire. Aux richesses fournies par le commerce, les négriers désiraient ajouter l'honneur dérivé de l'exercice des offices de l'administration périphérique, notamment de l'administration municipale, douanière et fiscale.
ses membres de l'élite cherchaient à atteindre une base de représentation de ses intérêts vis-à-vis du pouvoir royal ou éventuels pouvoirs rivaux. Ils l'ont trouvé à la municipalité de la ville de Ribeira Grande, capitale de l'archipel. En 1512, ils se sont présentés au secrétaire du roi comme des négociants, écuyers, chevaliers et fidalgos, pauvres, indispensables pour l'approvisionnement des esclaves à Lisbonne et Castille. Ils essayaient aussi de démontrer qu'ils étaient vassaux fidèles et utiles au service royal, notamment dans l'aide aux flottes de la Inde. La monarchie reconnaissait l'importance des armateurs de Santiago pour assurer le trafic négrier à la côte africaine sans besoin d'importants investissements, notamment pour l'édification des forts et aide aux flottes. Depuis, dès le milieu du XVIe siècle, a apparu progressivement une couche sociale intermédiaire d'hommes libres qui va demander notoriété politique et progrès de son statut social. Quelques petits et moyens commerçants nés et créés à Santiago, nombreux d'entre eux descendants d'esclaves affranchis, demandèrent au roi que les résidents mulâtres et noirs puissent accéder aux offices municipaux, prétention acceptée par le monarque en 1546, une date clé dans l'histoire de l'archipel. À mon avis, il ne s'agissait pas ici d'une question raciale ou ethnique, opposant blanc contre noir et mulâtre, mais plutôt d'une prétention sociale de cette élite née et créée à Santiago. C'était la reconnaissance politique de son ascension sociale. Le roi manifestait qu'il avait une image claire de ses nouveaux partenaires sociaux et de qu'il était indispensable pour le bon fonctionnement des axes commerciaux qui se croisaient à Santiago, aussi bien que sur son économie domestique. Puisque la prédominance des marchands de Santiago était surtout arsenée par diplôme, par des lois, plutôt que sur des avantages économiques, sa position s'est effondrée rapidement dès le milieu du XVIe siècle. Les rivaux nord-européens ont dépassé les Santiagais au marché africain, rendant superflu son intermédiation. Dans les premières décennies du XVIIe siècle, l'île de Santiago a perdu sa position géostratégique, déclinant comme plaque tournante négrière des débâcles qui a entraîné la paupérisation de ses agents économiques. Désormais, l'élite est devenue une pièce accessoire, d'autant plus que les contrats de concession des impôts royaux ont été attribués majoritairement à des marchands portugais nouveaux chrétiens. Une longue histoire. Au fur et à mesure que la position de Santiago dans la traite est devenue périphérique, ils ont aussi fini les attractifs qui avaient attiré une poignée d'hommes de la petite aristocratie portugaise à ces îles reculées. Les chiffres d'hommes blancs nobles diminuent considérablement, s'accélérant le métissage biologique et la créolisation de l'élite. Autrefois noble, cosmopolite et lié aux raisons du pouvoir royal et marchand portugais, l'élite s'est repliée sur elle-même en s'assumant comme propriétaire agricole. Ce groupe dirigeant n'était plus capable d'assurer la faveur du roi et désormais les esclaves sortaient directement de Guinée pour l'Amérique espagnole, sans transiter pour le port de Ribeira Grande, écarté en faveur du port guinéen de Cacheu, situation qui a été légalisée par les lois de 1680
1644 et 1647, qui établissaient que les taxes sur des esclaves devaient être payées au port de départ en Afrique et non pas aux îles de Cap-Vert. La stratégie de l'élite insulaire s'est ensuite retournée pour la concentration de toutes les formes du pouvoir local, qu'il s'agissait de la mairie, la miséricordia, les confréries post-civiles et ecclésiastiques ou milices. Tel rang était vu comme forme d'ennoblissement pour ses responsables et comme signe de distinction sociale et politique. L'élite de Santiago s'est transformée en une oligarchie car tout le spectre politique administratif était monopolisé par un petit nombre de familles qui se succédaient d'entre eux. En 1608, la mairie de Ribeirão Grande a demandé et obtenu du roi la faveur des naturels de la terre, c'est une expression des documents pour l'exercice des postes administratifs et ecclésiastiques. Pour la noblesse insulaire, cette permission a signifié l'officialisation de sa prépondérance politique à une époque où sa primauté sociale était déjà consolidée à cause de l'abandon de l'archipel des hommes blancs ennoblis. Cette élite de fils de la terre, avec des petits ou même sans titre aristocratique, poursuivait diverses formes de distinction sociale, comme la place à l'intérieur des églises, aux processions ou pendant les cérémonies d'admission des gouverneurs et évêques. Comme ce groupe dirigeant se jugeait comme noble, quoique il ne l'était plus, ou que seule une petite minorité d'entre eux détenait encore des titres comme chevalier de l'ordre du Christ. Ils se régissaient par les lois de la noblesse, manifestées par la propriété des terres, usage des armoiries, c'est ça? Armoiries, et exigences de pureté de sang à leur père. Mais les Portugais contemporains n'envisageaient cette élite métisse de la même façon, mais au contraire, se référaient aux métis comme une dénaturation des Blancs et qui avait prospéré seulement à cause du climat, qu'il leur était plus favorable qu'aux Portugais. La complexité du métissage a entraîné la multiplication des termes utilisés pour distinguer physique et socialement les diverses couches de la société de Santiago. Dans l'archipel, les termes utilisés le plus souvent ont été basse. J'ai essayé de traduire, mais ne voyais pas la traduction. Étaient bassouche, pardouche, mulatouche, mestiçouche et créoles. Exception faite du terme créole qui s'appliquait au né et créé à Santiago, les autres mots ont été utilisés plus ou moins indistinctement et d'une forme ambiguë et polysémique. Et ces désignations, ici c'est un point important, concernait beaucoup plus le statut socio-économique que la couleur de la peau. Le métissage a provoqué de la controverse officielle. Si, au milieu du XVIe siècle, la couronne n'avait pas exprimé
un préjugé face aux mulâtres et noirs de la municipalité, 80 ans plus tard, sa perception était inverse. En 1620, une charte royale exilée à l'archipel du Cap-Vert, les femmes blanches qu'on avait l'habitude de déporter au Brésil afin qu'on y puise autant que possible la caste des mulâtres. Tout aussi pleine de préjugés a été l'opinion d'un prêtre jésuite, Sébastien Gomes. En 1617, il a dit qu'au temps présent, la mairie de la ville était dominée par les créoles, tandis qu'au bon vieux temps, ils très rarement accédaient à la municipalité dirigée par des Portugais blancs. Ce missionnaire était contre l'ascension sociale et le rôle politique des métis et associait la créolisation de l'élite à la décadence et au dérèglement. La conjoncture atlantique se reflétait négativement à l'archipel. À la fin du XVIIe siècle, les tentatives pour rétablir le commerce entre ces îles et Portugal par des compagnies privilégiées ont échoué. Les liens commerciaux entre l'archipel Afrique et Portugal sont tombés fortement, devenant variables et sporadiques. L'archipel subsistait maintenant du petit commerce fourni par l'approvisionnement d'eau et de vivres aux navires transatlantiques de n'importe quelle nationalité. À mesure que le XVIIe siècle se déroulait, la contribution de Santiago au commerce international est devenue négligeable et ultra-périphérique. À l'exception de la manufacture des textiles d'algodon, produits stratégiques au marché africain, du sel et de l'orsay. Parallèlement, l'importance politique de Santiago a diminué. Le rythme de la correspondance administrative échangée entre Portugal et Santiago a décliné. En 1713, après la défaite militaire des villes de Praia et Ribeira Grande face aux troupes du général français Jean Cassard, les instances de l'État central considéraient que l'archipel devait rester dans le domaine portugais uniquement par une question de prestige de la monarchie et du nom de Dieu, et que toutes les dépenses militaires effectuées seraient inutiles. On observe aussi un déclin du Cap-Vert au ranking des carrières impériales. Le statut nobiliarchique de Fidalgo n'était plus obligatoire pour l'office de gouverneur. La perle pour ce poste avait un petit nombre de concurrents et parfois les choisis refusaient la nomination. Au début du XVIIIe siècle, le métissage de l'élite s'accéléra énormément. D'après les données du recensement de 1731, les Blancs étaient seulement dans 2,2%, tandis que les Métis étaient plus de 14% de la population insulaire. Toutefois, l'élite n'aimait pas se faire représenter en fonction de la couleur de sa peau, ressentie comme un marqueur très négatif. L'oligarchie santiagaise a préféré des nominations euphémiques comme « naturel, fils de la terre » ou « blanc de la terre » pour masquer le plus possible leur origine africaine prochaine ou lointaine. En tout cas, quelques officiaux royaux ont essayé de caractériser le groupe dirigeant insulaire.
Et en tout cas, c'est toujours une totale confusion. Ils font des listes de cadres. Mais... En 1732, le gouverneur Oliver Lagrange a écrit une liste des officiels de la milice en les différenciant parce qu'il a défini comme qualité. Une fois que presque tous les officiers supérieurs ont été qualifiés comme blancs de la terre, étaient mulâtres ou noirs, ils disent qu'ils les qualifient comme blancs de la terre. Mais ensuite, ils colloquent des... Hein? Ou ma cruche. Des croix comme blanc, comme mulâtre ou noir, en disant en même temps qu'il était blanc de la terre. Et il a seulement réussi à les nommer comme bien procédés aux principaux de la terre. Seulement un naturel de Portugal avait un titre de noblesse, celui de chevalier de l'ordre du Christ. Et lorsque ce gouverneur a essayé de former une nouvelle compagnie de noblesse, la nouvelle compagnie de la noblesse, qui d'accord avec un ordre royal ne pouvait pas accepter d'hommes noirs, il a éprouvé énormes difficultés. La couleur blanche dénotait pour l'élite métisse une grande importance symbolique et sociale. Malgré la tendance endogamique des principales familles de Santiago, qui se mariaient souvent entre parents de sang, celle-là cherchait à tout prix le blanchiment de la peau de leur descendance par le mariage de les filles avec des blancs portugais, même s'il s'agissait des hommes de faible statut social. Et on a beaucoup des exemples de cette situation. En raison de l'éloignement de Santiago des principales routes commerciales, l'élite locale a appauvri graduellement, épuisant les métaux précieux et les objets de valeur qu'elle avait thésaurisés en résultat de la traite négrière à l'Amérique espagnole. Les principales ont abandonné la vie urbaine et cosmopolite vers ces exploitations agricoles situées dans les zones plus fertiles de Santiago. Lorsque la vie capitale a été sévèrement attaquée par une force militaire conduite par le général Jean Cassar en 1712, les troupes et ses officiers s'enfuirent en déroute, laissant derrière elles un bourg pillé et incendié par l'envahisseur et qu'on ne jugeait plus important de défendre. En face de la dissociation progressive entre Portugal et l'archipel, l'état d'abandon presque total à ce qui celui a été voté, le pouvoir politique de l'élite a grandi considérablement, atteignant une autonomie quasi totale à la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'élite s'est oligarchisée sur un nombre restant de familles qui se succédaient aux offices de la mairie, confréries, rangs militaires et officiers. Un autre expédient a été utilisé pour l'élite pour affaiblir le pouvoir métropolitain, a été engendré en désaccord entre gouverneurs et ouvidors, les officiers de justice, à l'heure actuelle hommes de statut social moyen et avec titre de petite noblesse. La stratégie adoptée était de soutenir à la fois le gouverneur ou l'ouvidor par des façons rivales en divisant le pouvoir exécutif et le domaine
judiciaire. Cependant, cette fragmentation de pouvoir ne les suffisait pas. Ils ambitionnaient le monopole du pouvoir et sa gestion absolue. L'outil trouvé a été celui des gouvernements intérimaires de la mairie qui se sont déroulés de façon accélérée depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle à cause des difficultés dans le recrutement des gouverneurs et aux vidorges, leur décès prématuré ou même leur meurtre. Pendant ces gouvernements suppléants, les oligarques agissaient de façon discrétionnaire en pratiquant toutes sortes d'abus et illégalités. Un contraste avec le climat de paix sociale qu'on avait vécu jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, l'île de Santiago a été au XVIIIe siècle une île soulevée, vivant une vraie guerre civile. Chaque faction s'affrontait dans la lutte pour le pouvoir et agréguait milices privées d'esclaves et affranchis qui suscitaient la terreur, pillant et volant impunément sans jamais être soumis à la cour de justice. Néanmoins, cette élite a poussé trop loin ses actes arbitraires. À la suite d'une série d'homicides suspects de gouverneurs, ouvideurs et inspecteurs, l'ouvideur Vieira d'Andrade a été assassiné en plein jour dans la ville de Praia en décembre de 1762. Même s'il s'agissait d'un archipel longtemps et éloigné, le pouvoir métropolitain ne pouvait plus se plier devant une telle subversion de l'ordre. Le marquis de Pombal a ordonné le siège naval de Santiago et les auteurs moraux et matériaux et ses comparses ont été emprisonnés et embarqués pour Lisbonne pour un total de 33 personnes. À la tête des séditieux, on trouvait Barros Brasera y Oliveira qui s'appelait à lui-même prince de Cap-Vert. Les prisonniers ont été condamnés pour la plupart à la pendention et décapitation publique. Symboliquement, les têtes ont été renvoyées pour Santiago et placées en poteau à la scène du crime jusqu'à la consommation des temps. Eh bien, je vais maintenant pour d'autres phénomènes d'une autre ordre. Pour analyser d'autres aspects de l'amétissage de l'élite de Santiago qui a consisté dans un complexe processus d'influence mutuelle et réciprocité entre les matrices européennes et africaines. Lorsque Cap-Vert s'est éloigné de ses racines portugaises et devenu endogène, on prédomine éléments culturels hybrides et locaux. L'archipel a connu une longue durée dirigée vers la mise en place d'une culture créole incorporant hommes européens, africains et leurs descendants. Et l'un des aspects plus visibles de cette hybridation culturelle a été l'adoption du créole même par des Portugais blancs, même au XVIIIe siècle, très tôt. D'autres points de vue de ce procès s'est déployé autour de la nourriture avec la substitution du blé par le maïs. Et on disait que le maïs, l'évêque disait qu'il était désolé en 1644. Il se disait désolé parce qu'il devait se soutenir de maïs, nourriture dont subsistaient les créoles de la terre. Il s'agissait d'un signal clair d'hybridisme
des habitudes alimentaires, car c'étaient les esclaves et les affranchis qui avaient l'habitude de manger cette céréale sur la forme de chérin au couscous. On avait plus de farine de blé pour faire du pain blanc. Plus complexe, je termine. Ah non, je termine. Tant même non fait, je ne vois pas mal. Alors, j'avance prochainement. Non, j'ai perdu. Eh bien, je termine. Plus complexes ont été les appropriations par l'élite des croyances religieuses guinéennes. Au début du XVIIe siècle, le jésuite Manuel de Barros a écrit qu'en cas de maladie, les... Le jésuite a écrit qu'un cas de maladie, jusque les blancs portugais, se guérissait auprès des jabacos, guérissants traditionnels africains qui, grâce à des rites magiques, rétablissaient dans les organismes l'équilibre requis pour la santé par l'invocation des esprits des ancêtres. Les oligarques santiagués ont aussi adopté très des rites funéraires de matrice africaine, un complexe cérémonial nommé comme choro, pleurer. Et c'est une forme de pleurer très... Et je ne veux pas dire l'exemple, je vais terminer. Conclusion. Conclusion. L'image de l'élite santiagaise comme un groupe discipliné qui veillait pour le maintien de l'ordre social, se conduisait comme fier vassal du roi et se revêt au modèle social et pratique culturelle du Portugal, s'est évanouie progressivement au fur et à mesure que l'île a perdu sa fonction d'intermédiation entre les marchés négriers africains, la péninsule ibérique et les Indes espagnoles. Au cours des premières décennies du XVIIe siècle, il y a eu un fort recul de l'afflux de Portugais à l'archipel et la conséquente montée sociale et politique des fils de la terre. L'élite Santiago a acquis un trait métisse et a marché vers une créolisation, un complexe parcours culturel de réinvention des racines européennes et africaines qui a résulté, et ici sont des choses plus polémiques, dans une synthèse unique de laquelle est née, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une précoce identité capverdienne. Cependant, ce ne sera pas cette élite le véhicule transmetteur de cette créolisation, issue au contraire du groupe des affranchis qui a propagé des pratiques culturelles et religieuses au reste du groupe social. Enfin, ce dernier point de vue pourra occuper mes prochains ans de travail. Mais je n'ai beaucoup d'espoir de voir des conclusions relatives à ce groupe de la société de l'île de Cap-Vert, comme l'a nommé leurs contemporains. Merci.